L'actualité l'impose, bien sûr. On parle encore du Covid-19 au Maroc dans cette chronique avec Ilham Balad, avec moi sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors, les cas de contamination augmentent au Maroc, comme d'ailleurs partout dans le monde, malheureusement. On sait qu'il y a plusieurs symptômes, donc de la fièvre, il y a aussi des difficultés respiratoires, tout. Parfois aussi, il y a des essoufflements. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête. Si on a des doutes concernant notre état de santé, que faut-il faire comme première étape? Je pense que la toute première étape, c'est qu'il ne faut surtout pas paniquer, Manel. C'est très important. Vous pouvez avoir contracté un simple état grippal, certains symptômes étant similaires. Ne vous rendez pas non plus dans les hôpitaux. Sans symptômes graves ou signes de détresse respiratoire, contactez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas directement à son cabinet. Et bien évidemment, pour toutes les questions, vous pouvez contacter Allo Yaqada au 080 100 47 47. Les opérateurs sont disponibles à ce numéro 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le seul objectif d'apporter des réponses aux questions que pourraient leur poser toutes les personnes, celles qui sont par exemple en séjour temporaire dans le royaume, les habitants ou encore les professionnels du corps médical qui pourront connaître les moyens de prévention à leur disposition ou encore être informés sur la stratégie mise en œuvre par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus. Les téléconseillers informent les interlocuteurs sur les symptômes du nouveau coronavirus, ses modes de transmission, de même que sur les différentes précautions à adopter. Le ministère de la Santé invite donc les personnes qui ressentiraient n'importe quel symptôme qui s'apparente à ceux du Covid-19 à appeler Allo Yaqada au 080 100 47 47 afin d'obtenir des informations ou d'être orienté sur les mesures à prendre. Alors là, dans un cas de doute, il y a un, mais quand il y a de sérieux symptômes, quand l'état est assez grave, que faut-il faire? En tous les cas, le Maroc a bien répondu à ce genre, bien sûr, de gravité. Donc, dans ce cas-là, si vous avez des difficultés respiratoires, prenez contact avec Allo SAMU 141 pour une prise en charge éventuelle à l'hôpital. Mais surtout, ne vous rendez pas vous-même sur place. Mais de toutes les manières, pour toutes les questions, il ne faut pas hésiter à appeler Allo Yaqada au 080 100 47 47. Il faut savoir que ce service de Allo SAMU vient alléger la pression sur Allo Veille épidémiologique, donc Allo Yaqada. Il servira à fournir des conseils aux citoyens qui ont des difficultés respiratoires, une température élevée ou de la toux, et à orienter les cas possibles vers les centres dédiés dans les différentes régions. Le service Allo Yaqada est désormais consacré à l'information générale sur le Covid-19. On ne le répétera jamais assez, Manel, pour lutter contre la propagation du virus, il faut respecter les gestes de barrière. Lavez-vous les mains très fréquemment. Restez à 1 mètre de distance de votre voisin, ne lui faites pas la bise, ne lui serrez pas la main, portez un masque si vous êtes malade, des gestes simples qui pourraient éviter de nouvelles contaminations, Manel. Alors voilà ce qu'on appelle, Ilham, la distance sociale, on en parle de plus en plus ces derniers jours. Alors, avant de se rendre à l'hôpital, c'est un point très important, quel médicament peut-on prendre avant de voir le médecin et surtout quels sont les médicaments à surtout ne pas prendre justement avant de voir notre médecin, parce qu'ils peuvent être dangereux justement pour l'infection. Alors il y a des gestes simples qu'il faut parfois rappeler en cette période d'épidémie du coronavirus ou de pandémie du coronavirus. En tous les cas, en cas de contamination, il y a certains réflexes à adopter. Il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires type ibuprofène ou Advil, ni de cortisone, surtout en automédication. La prise d'anti-inflammatoires pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. Ces médicaments seraient responsables de complications infectieuses. Concrètement, ils sont susceptibles d'atténuer l'inflammation, qui est une réponse normale de l'organisme en cas d'infection. Ainsi, masquer les signes de gravité d'une infection et potentiellement retarder le diagnostic et la prise en charge. Si on a une fièvre élevée, il faut prendre du paracétamol, et si on est allergique au paracétamol, il ne faut surtout pas en prendre, mais on peut se rafraîchir avec de l'eau. Si
Si vous êtes atteint d'une pathologie chronique ou que vous êtes actuellement traité par des anti-inflammatoires ou des corticoïdes, n'arrêtez pas votre traitement. Surtout, surtout si vous ne présentez pas de symptômes respiratoires, donc ou de fièvre. De même, il n'est pas recommandé d'arrêter sans traitement si vous êtes asthmatique ou que vous êtes traité par des corticoïdes ou des anti-inflammatoires. En cas de doute ou de symptômes inhabituels, rapprochez-vous de votre médecin et demandez-lui son avis. Lui seul pourra prendre une décision quant à la poursuite ou à l'arrêt du traitement. Voilà, Manel. Merci beaucoup, Ilham, pour toutes ces informations. Je tiens à rappeler le numéro de Allo Yaqada. Alors, c'est le 080 147 47. Je répète, le 080 147 47 en cas donc de symptômes ou en cas de doute. Appelez ce numéro sur tout le territoire national.